Alors on voit déjà qu'il y a deux viewers qui attendent impatiemment sur la chaîne. Ne quittez pas, on commence à 20h pile, à tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, hola Pixel Geek TV qui est déjà dans les commentaires. Donc on se retrouve encore une fois pour un épisode des incroyables aventures de Mirani. J'ai plein de choses à vous dire, donc en fait il y a tellement masse trucs que j'ai fait une petite liste histoire de me retrouver. Voilà, concernant déjà dans un premier temps le message Facebook, alors désolé pour... Voilà, ça s'est fait. Concernant le message Facebook, des bonnes et des mauvaises nouvelles... Une des mauvaises nouvelles, en fait, n'aura pas lieu parce que simplement, je vais aller acheter une webcam demain. Donc, c'est sûr que si je restream demain soir, peut-être, bah, ce sera nickel puisque cette webcam ne sera plus là. Bien le bonsoir, Kikoulol74. Donc, voilà, en un premier temps, la webcam. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté les résales sociales juste à gauche du stream. Là-bas. Et on a rajouté YouTube. Alors, pourquoi YouTube ? Ça vient, donc c'est aussi lié avec les messages Facebook. Je vous avais dit hier, donc en plein live, que je ne pouvais pas enregistrer les lives. Complètement faux, archi faux. C'était du fail complet de ma part. J'avais juste une case à cocher sur Twitch, et donc je remercie énormément Pixel Geek TV qui est là pour m'avoir conseillé. Et donc en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que tous les lives qu'on va faire, donc celui-là aussi y compris, vont être enregistrés sur Twitch, je vais pouvoir les DL et les poster sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez tout revoir en différé. Si vous en avez raté un, forcément, bah, c'est pratique parce que vous allez pouvoir le voir, et vous allez pouvoir partager les lives, donc c'est un truc assez énorme. Et donc ça va, normalement, donc après le stream de ce soir, donc je pense vers minuit, le temps du plot, tout ça, il devrait y avoir le premier live sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc après, concernant le live d'hier, j'ai eu... masse retour, enfin
Quand je dis masse, pour moi c'est 3-4, mais vu que je commence, je suis assez content d'avoir des retours. J'ai eu masse retours positifs et je suis super content. Notamment, j'ai eu des retours de personnes dont je m'attendais pas, donc ça fait super plaisir. Donc continuez, hein, continuez, ça me fait méga plaisir, même que ce soit des commentaires négatifs, positifs, des trucs à améliorer, des trucs à changer. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc voilà, donc je voulais dire merci. Donc on se retrouve pour la suite des aventures sur Alien Isolation. Donc je sais que vous étiez encore 3-4 à la fin du stream d'hier, c'était la guerre, c'était le mass bordel. En fait, on est arrivé dans une salle, où des survivants du vaisseau voulaient nous trancher la glotte et nous manger les pieds. Et on s'en fout de ce que tu dis, surtout si c'est en anglais, voilà, merci. Et on avait wipe 3-4 fois. J'ai hésité à continuer à jouer hors stream, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai dit je vais profiter de ça avec mes viewers. Donc j'ai juste fait 3 minutes de jeu, c'est-à-dire qu'en fait j'ai réussi à passer cette salle. C'était tout con, donc pour ceux qui étaient là hier soir, le système informatique qu'on était en train d'hacker tout ça en mode beau jeu, il fallait juste activer les haut-parleurs pour que les mecs foncent vers les haut-parleurs. On est passé, donc je suis passé comme un bourrin et je suis arrivé à la prochaine salle. Et vous allez voir qu'on a trouvé un truc assez sympatoche. Donc je peux jeter ma liste maintenant que je vous ai parlé de tout ça. Et on va rentrer en jeu. On va re-rentrer en jeu. Et ça va être la misère parce que sur 3 minutes de jeu hier, j'ai juste méga flippé. Parce que je sens, voyez-vous, que la bestiole n'est pas loin. C'est sûr, non, pas continuer la partie, charger la partie. Voilà. Ça va actuel, on est parti. J'avais notamment réussi à corriger le bug de la manette Xbox. Et vu que je me suis habitué à jouer au clavier à la souris et qu'en fait il y a un truc sur la manette Xbox, en fait pour courir faut appuyer sur le joystick et je déteste ça. Du coup on va continuer à jouer clavier souris. Et donc si jamais la webcam n'est mal cadrée, n'hésitez pas à le dire en commentaire et du coup je ferai les ajustements nécessaires. Alors voilà. Voilà où je me suis arrêté. Donc on est dans une salle juste après le passage d'hier. Et comme vous pouvez le voir, ici, juste là, et bah il y avait un revolver qui va nous permettre de nous défendre un peu 10 fois mieux. Bonjour Valkyrax et bienvenue sur cette deuxième partie de nos aventures sur Alien Isolation. Donc alors que je vous raconte un peu mes péripéties de 3 minutes hier soir après avoir terminé le stream, donc je suis arrivé là comme je vous ai dit. Et là j'ai juste flippé à mort parce que je vais vous faire écouter. Voilà. Il y a une espèce de trrrr qu'une machine fait. Et je vous jure que je croyais dur comme fer que c'était Gérard l'alien qui m'avait retrouvé. Donc en fait j'ai genre slacké 10 minutes comme ça. Voilà. J'ai slacké 10 minutes comme ça pour rien. Et du coup on va repartir armé du revolver. C'est vrai qu'on peut pas viser vraiment. En fait quand je vise, ça réduit juste le viseur. Bon, on va voir ce qui va se passer. Donc mon prochain objectif est toujours de trouver une cellule donnée dans l'instant technique pour se rendre à Sexon. Communication, on est parti. Revolverise la bestiole. Oui, mais j'imagine qu'on va essayer, si on la croise forcément, dans la panique et le feu de l'action. Mais j'imagine que la bestiole sera immunisée, voyez-vous, aux balles de revolver. Mais je pense par contre que les mercenaires qui nous ont bien fait chier hier soir vont y avoir droit. Non mais là c'est sûr et certain qu'on va pas tarder à faire de la course-poursuite avec la bestiole. On en parle de la caméra. Est-ce qu'on peut la... Je sais pas. Aucune idée. Ok, on a des conduits là. J'imagine qu'on peut rentrer là-dedans. Niveau de sécurité trop élevé. On va essayer dans le doute, hein. Attends, j'ai pas jeté toutes mes balles. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Niveau de sécurité trop élevé. Pas du tout. On va passer par le conduit, on est parti. Alors, attends, j'ai juste un problème de comment... Voilà, normalement, maintenant, je devrais voir les commentaires, nickel. Voilà, c'est parfait. Donc, Valkyrax me dit, t'es sérieux, tu l'as pas vu, Alain? Effectivement, là, quand tu arrives dans cette salle, t'as dû regarder ailleurs. Ouais, bah j'ai dû regarder ailleurs, en fait. Je l'ai complètement raté. On n'a
pas tellement besoin de la lampe torche, mais j'ai quand même envie de check tout ce qui est possible de check. Génial, de la camelote, du l'agent collant. Pourquoi mon personnage s'allonge? On va sortir là, je sais pas du tout où ça mène, on va aller voir ensemble. Et ben en fait, on revient exactement là, donc Joseph, on repart. Pour la suite aussi d'Alien Isolation, je sais pas si je vais tout faire en live, parce que peut-être que ça va être méga long en fait, on verra bien. Mais si jamais vous voulez voir autre chose, vous voulez qu'on fasse d'autres streams, n'hésitez pas, je reviens exactement au même endroit, c'est génial. Donc niveau de sécurité trop élevé, j'ai buté la caméra. Ce n'est sûrement pas ça. Mais s'il traîne dans la station, le serait toi, j'éviterais de tirer quand c'est pas ultra nécessaire. Et je suis assez d'accord, je vais essayer d'éviter de gâcher mes balles. Là, je pensais que c'était indispensable de péter la caméra, vu que c'est peut-être le niveau de sécurité, enfin bref. Mais pas du tout. On peut se cacher là aussi. Complètement fermé. Grimper ou pas là? Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Carte d'accès requise. J'imagine qu'on peut peut-être essayer de trouver une carte d'accès qui traînerait peut-être quelque part. Puissance faible. Ok. Oh! Il y avait carte magnétique quelque part. Carte magnétique. Est-ce que c'est ça? Et c'est exactement ça. Nickel. On va éviter d'utiliser la lampe à tout bout de champ parce qu'on va se retrouver vite à court de piles et on aura l'air bien fin. Je vais essayer de fouiller les étagères parce que des fois il y a certaines cases qui peuvent être ouvertes et plaque d'identité. Il me semble que les plaques d'identité, pour le moment j'en ai ramassé 3-4, j'en ai pas eu tellement besoin. Les plaques d'identité ça doit être seulement un côté roleplay ou un truc pour les hauts faits, genre ramasser toutes les cartes d'identité cachées. Y'a un mec qui a pas eu de chance là-bas. Bombe fumigène. Je vais m'en ramasser, ok. Donc en fait, je peux crafter des bombes fumigènes maintenant, nickel. On a une caisse ici, agent collant camelot mélange B. Est-ce qu'on a des seringues sur nous? Pas du tout, on va en crafter une au cas où c'est urgent. Hop. Objet fabriqué. Et bonsoir Kazuto-san et bienvenue sur la suite de nos incroyables aventures à bord du vaisseau Sébastopol, je crois que c'est, si je me souviens bien. Donc n'hésite pas à communiquer avec nous à travers les commentaires, c'est là pour ça. Je pense que si réellement tu devais détruire une partie du décor, un élément style caméra, et que tes balles sont limitées, il y aurait forcément un mécanisme. Ouais, bien vu, parce que si on se ramène dans un endroit où est-ce qu'on est obligé de péter un truc, et qu'on n'a plus du tout deux balles, on serait un peu niqué. Mais remarque, est-ce qu'on reparle de la porte d'hier? Parce que dans cette philosophie là, on était quand même un peu bien niqué. Chercher, mélange B, pistolet, seringue, merci. J'ai ramassé un truc, je sais plus du tout c'est quoi, il me semble que c'est un craft. Grenade aveuglante. En fait c'est cool là, on est en train de se dire, on ramasse masse truc, on est en train de s'armer parce qu'on a quand même un revolver qu'on va sortir d'ailleurs quand même, c'est quand même mieux de se balader avec un revolver qu'avec une seringue à la main, mais ça veut dire aussi que les choses vont sûrement chauffer, voyez-vous, niveau de sécurité trop élevé. Encore une caisse qu'on n'a pas fouillée. On est parti, une épée. Essayez de tout regarder avant de passer de salle en salle tout de même. Oh bon sang. La boîte noire. Donc ça c'est la boîte noire du vaisseau d'Alien 1, enfin du film Alien apparemment. Et c'est pour ça qu'on était venu à la base. Et là elle est un peu méga deg parce qu'elle ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Parce que l'héroïne, je rappelle peut-être les nouveaux qui sont là. L'héroïne est la fille de Ellen Ripley, donc l'héroïne des films.
La porte dit en soi il y avait un mécanisme, non, et Valkyrie qui répond non, c'était un bug. Oh! Oh, c'est quoi les bruits de pas là? Ouais, en effet, c'était un bug de merde parce qu'on a tourné comme des gros porcs un peu partout. Et j'ai pas du tout compris ce qu'il fallait que je fasse. Je n'ai pas du tout pigé. Apparemment, c'est la guerre. Le pied. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc derrière ça ou est-ce qu'on fait ça juste pour le fun en fait? Parce que appuyer sur des boutons pour faire changer des lumières, c'est nice, mais tu sais, la cellule de données. Oh nice! Et du coup, on est de nouveau capable de pirater les portes. Et il y aurait peut-être moyen de hacker le bordel. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? What the fuck? Alors j'imagine qu'il faut... Pas du tout! Pas du tout! Espace pour entrer... Le... Hein? Est-ce qu'on m'explique? C'est le synthoniseur, on est reparti. Ok, donc en fait il faut que je bouge avec la souris pour trouver... Oh! Signal détecté! Alors maintenant, il faut que je... C'est une espèce de Tetris de la night. Et le dernier symbole est là. Code accepté. Détection du système, 0 sur 3, accessorisé. Incroyable! Incroyable! T'en es où dans le jeu, en fait? Alors, hier soir, on est arrivé... on a bloqué comme des cons. Enfin, c'est surtout ma faute, en fait, je suis désolé. On a bloqué pour des trucs tout débiles. Donc, premièrement, une porte qui nous a coincé au début, en fait, qui était buggée. J'ai dû complètement relancer un autre fichier de sauvegarde. Sinon, on pouvait rien faire. Et on a bloqué également sur... une lampe torche, un truc débile, et sur un passage où est-ce qu'on se fait attaquer par des espèces de... les survivants du navire. Désactiver le verrou de sécurité. Quel verrou de sécurité? Et donc là, on n'est pas très très loin dans le jeu. On vient juste de choper le revolver, en fait. Je viens de voir qu'on est passé à 9 viewers, donc bienvenue aux nouvelles personnes. Est-ce qu'on peut hacker le bordel? Pas du tout. Pas du tout. Le synthoniseur, on est parti. N'empêche que je trouve ça assez fun. Je trouve ça complètement fun. Espace, donc ça c'est bon. Parfait. Est-ce que c'est une espèce de parfait sadique parce que ça veut dire que les moments de l'espace arrivent là maintenant? Parce que si c'est le cas, c'est pas très très... très très gentil. Ça c'est un peu les trucs RP, on va éviter à moins qu'on en ait vraiment besoin. Parce que enfin, ça serait des discours et tout, ça serait sympa à regarder en live, mais de la lecture en live, c'est pas tellement très... bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont aimer, mais moi ça me dérangerait pas de le faire, mais c'est pas très séduisant. Activer le... Ok, donc ça on peut faire. Ça, on peut faire. Non mais là c'est juste obvious à 100%. Que dans genre 10 minutes on se fait on se fait poursuivre par l'alien qui va vouloir nous manger les pieds quoi. Ok, donc là on a déverrouillé cette entrée là, c'est génial, c'est super. Rien du tout à faire ici. Le pire dans ce bruit de pas, c'est que tu sais pas si c'est effectivement des bruits de pas ou des bruits de pattes. Et ouais, non mais c'est exactement ça. L'ambiance sonore de jeu est totalement infâme parce qu'il se passe des bruits de merde, tu vois, genre des trucs dans la canalisation et tout ça, et tu sais jamais si c'est George l'alien ou si c'est la tribu des survivants quoi. Alors est-ce qu'il y a un truc sur la map qui nous permettrait d'aider de s'en sortir? Pirater l'ascenseur vers section de communication, et là on a un point d'exclamation qui nous dit regarde, regarde gros tarde, il y a un truc à faire. Donc en bon gros tarde que je suis, j'arrive et il doit y avoir un truc à faire. Activer le verrou de sécurité. Oh! Oh putain! Non mais pourquoi je peux pas bouger? C'est un... Oh merde! Mais cours! Je cours dans le regard!
Oh la mort en espagnol. Genre il s'est téléporté. Oh la merde absolue. Et je sens que ce jeu est bâtard en plus, genre il peut être là, tu vois, genre en mode c'est impossible que je sois là en vrai, mais je suis là quand même. Est-ce qu'on peut se cacher genre là? Putain, mais je sursaute pour rien, c'est assez infâme. Synthoniseur. Non! J'ai fait nappe! C'est pas du tout, c'est ça. C'est ça. Et c'est l'espèce de bonhomme qui tire une tête de ouf là. Voilà. Oh merde! Oh merde! Remarque! Remarque, il n'y a plus les mercenaires. Enfin, les espèces de survivants de la mort. Donc en fait là le but c'est d'aller à la porte là, c'est sûr et certain. Oh! Oh! Oh, il nous rush dessus! Oh, il nous rush dessus! Oh putain! Oh, allez, on fait les ouf, on fait les ouf, on fait les ouf, on fait les ouf. Ça... Non! Ok. Ok. Non mais... T'as pris ton arme. Non mais c'est mort. C'est mort. Comment voulais-tu que je tire sur Lord Bestiole, quoi? Oh putain. On va se remettre de les émotions doucement. Et il faut que j'appuie sur ma télécommande, sinon le deuxième écran va s'éteindre et je pourrais plus voir ce que... Surprise, ouais, c'est un peu surprise motherfucker, un peu comme ça. Alors on va recommencer la sauvegarde actuelle et en fait du coup on va devoir faire pas mal de trucs, mais on repasse par là et du coup on va refaire la même chose. Sauf qu'on va sauvegarder en fait, du coup on n'aura pas besoin de tout refaire. Non, mais est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de la vitesse de pointe du bordel? C'est plus un alien, c'est un bolide le bordel. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre la carte ici, il fallait ouvrir là-bas. Au moins, on sait qu'on croise pas... il a claqué cette tête, exactement. Au moins, on sait qu'on croise pas le bordel. Et je vous garantis... Je vous garantis que émotionnellement, c'est pas facile. Il y a une autre chose que je vous garantis, c'est que si j'étais pas en live, ça je le ferais pas. Parce que là je parle, je rigole, je suis avec vous. Il fait clair en plus, je n'ai pas éteint ma lampe. Donc c'est un peu... C'est un peu plus... Enfin l'ambiance est un peu moins justement forte. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire les petits fous, on va éteindre la lampe. Je pense que vous allez me voir un peu moins bien. Mais ça devrait le faire. Un petit coucou de Julien. Et bah salut Julien, ça me fait plaisir que tu regardes mon stream. Et n'hésite pas justement, comme tu le fais là, à commenter, à discuter avec les viewers et avec moi-même, à faire des remarques que tu veux. Et ouais, j'étais en train de parler à ma webcam, si jamais vous voulez que je remette comme avant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je peux rallumer la lampe. Mais du coup, comment est-ce qu'on échappe... Comment est-ce qu'on échappe à l'alien qui nous arrache la tête comme ça? Ouais, mais en fait, je suis un peu bête parce que j'aurais pu sauvegarder quand je suis passé tout à l'heure dans le couloir, mais je l'ai pas fait du tout. Et ça nous aurait évité de recommencer juste là. Ça me
dans un toniseur. Ce truc. C'est complètement con, mais j'adore ce truc. On est parti. Schéma grenade aveuglante, ça peut toujours nous servir. C'est un peu bizarre, on est parti. Ah, nickel. Non ! Alors, si, à chaque fois que je fail comme ça, en fait, c'est très simple. C'est un fail de bouton, c'est-à-dire que j'appuie sur A au lieu d'espace, et du coup, je nique tout, je suis désolé. Voilà, nickel, il y a un truc. Voilà, ça a l'air d'être ça, et c'est ça. Belle fée, belle fée. On va pouvoir retrouver. Et on n'est pas passé là tout à l'heure, justement. Est-ce qu'il y a agent collant, ça c'est nickel pour faire les seringues, il me semble. Lire, on s'en fout. Parce que ça, en fait, c'est des petits enregistrements des anciens gens qui étaient sur El Navigo. Et du coup, on peut écouter ce qui leur est arrivé. Bref. On est reparti. Donc là, on va rusher un peu le bordel, vu qu'on sait que Roger l'alien est là. Mais on devrait aller assez vite en fait. Alors, aucun signal. Oh ! Aucun signal, aucun signal, aucun signal. Signal détecté. C'est ça. On a espèce courte et on a tout ça. En fait, je vais quand même rallumer la lampe tout de même. Il me semble qu'il y a une porte insyntonisée là maintenant et on va la faire. Ouais, ça. Parce que ça, quand il y a Roger, je me sens pas de le faire. Je me sens pas du tout de le faire. A mon avis, ce schéma de grenade aveuglante sera direct dans la salle où tes petits camarades se font gentiment discuter pour te sauver et te protéger. Mais en fait, peut-être, mais j'ai aucune idée de quelles armes fonctionnent sur. Sur Georges qui va arriver par là et il faudrait qu'on essaie un peu. Vous me faites penser de re-sauvegarder hein. Faites-moi penser de re-sauvegarder qu'on n'oublie pas, ça serait un peu con. Je suis en train de voir que les résales sociales sont sur une partie de l'interface. Si jamais vous voulez que les bougent, il n'y a aucun souci, je peux les réduire. Enfin, comme je vous ai dit, si vous voulez changer un truc, il n'y a aucun problème. En fait, s'il faut, il est gentil, parce que là, genre, il monte son dos pour qu'on le caresse et tout ça, quoi. Ok. On rush la sauvegarde comme on a dit, histoire qu'on ne commencera pas complètement au début. Je crois pas moi. Est-ce que tu viens de dire ça pour les armes? Parce que je crois pas non plus que le bordel soit sensible à quoi que ce soit en fait. Parce que si c'est comme dans les films, c'est un peu l'organisme parfait qui résiste à tout. Et quoi qu'il arrive, on est niqué en fait. Qu'il arrive, il y a juste zéro moyen de s'en sortir. Par contre, comme je viens d'arriver, peux-tu m'expliquer quel est ce jeu, s'il te plaît? Alors oui, donc en fait, on est sur Alien Isolation. Donc je sais pas si t'as déjà vu le film Alien, le tout premier. Donc en fait, ça recommence. Enfin, le jeu prend place juste après le film. Et en fait, on joue la fille de l'héroïne, donc de Ellen Ripley. Et merde, j'ai encore failli le touche. Et en fait, son but, elle, c'est de voir ce qui arrivait à sa mère. Et donc, on arrive sur un vaisseau où c'est un peu l'orgie, et où on affronte le xénomorphe. Et en fait, le but, c'est de survivre. Parce qu'au début, on était avec nos potes dans notre navire, et tout ça, tout allait bien. Mais, très rapidement, c'était l'orgie absolue. Est-ce qu'on va utiliser ça, et on va essayer d'activer, genre, le filtrage de l'air. Et, système incroyable active. Et système de haut-parleur, voilà. Actif.
Ok, donc il est juste là. Alors j'ai aucune idée de s'il a un trajet parti. Parce que là... Ah l'enfoiré! D'accord, donc c'est pour ça qu'on s'est fait... qu'on s'est fait complètement manger la tête. J'ai aucune idée... Attends, faut regarder... Ouais. Je pense qu'il va être judicieux de regarder où est-ce qu'on met notre tête en fait. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller dans le système de piratage, essayer d'activer un bordel, genre le filtrage de l'air ou un truc comme ça. Si tu remeurs, regarde tes potes mourir, c'est tellement jouissif, ouais, j'avoue. Si je remeurs, on ira faire ça et on regardera un peu à quel point ils se font démonter la tronche par Roger l'alien. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est genre de faire ça et mettre genre filtrage de l'air pour le faire sortir du conduit. Non, on ne veut pas ça. Oh! Oh merde! Oh merde! Est-ce qu'on en parle? On va faire ça plus rapidement. On va faire ça plus rapidement. Donc comme Kiroir l'a suggéré, on va se faire plaisir, on va aller regarder les bordels se faire démembrer, histoire de prendre un peu de plaisir, parce que hier ils nous ont quand même bien fait chier. Et donc pour les nouveaux ou ceux qui arrivent, enfin ceux qui n'ont pas regardé le stream d'hier ou qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés en cours, on a pris, en fait hier quand on a commencé la partie, on a voulu faire les Bolzi et on a pris le niveau de difficulté le plus haut. Donc c'est peut-être pour ça qu'on galère un peu à mort. On est parti. Donc là on va se faire plaisir un peu hein. Déjà, on sait que les balles ne servent à rien. Oh! Oh, il est tellement chaud! Il est tellement chaud! Et on remarque tout de même Ginette là-bas qui ne va pas du tout aider ses potes, qui est caché et qui se dit: il ne m'a pas vu, je vais survivre. Pas du tout! Meurs! Meurs! Et on n'en parle plus. On est reparti. Là, normalement, il va là-dedans. Oh non, pas du tout! Pas du tout. Ok, il est rentré dans un autre conduit. On va essayer de vite faire le filtrage de l'air. Ok, ok, non. Non. On est mort, on est mort, je vous le dis. Ok, donc c'est pas du tout, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, puisqu'à chaque fois qu'on essaie d'hacker le système, on se fait niquer. Donc il va falloir réfléchir. Si jamais vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Parce que là, on est un peu... On est un peu dans la merde. À votre avis, si pendant pendant que les gus se font déchiqueter, on rush comme des gros poneys vers la porte et qu'on essaie de s'intoniser comme des tarés, est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc on se rappelle la touche espace et non pas la touche A, sinon on va encore perdre du temps pour rien. Allez, on fait ce try on va rusher comme des porcs. Ce try, on y va en mode salut. Salut, je suis un rebelle. Vas-y. Fais ta vie, Roger. Fais ta vie, Roger, fais ta vie, Roger. Le signal. Le signal, le signal, le signal. Allez!
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le voir rentrer dans un second conduit ailleurs dans la même salle, je pense que en fait tu dis juste de barrer là. Je comprends pas. Alors attends, le voir rentrer dans un second conduit ailleurs dans la même salle, je pense qu'en fait tu dis juste de te barrer de là. Ok. Et qu'il tourne autour. Mais en fait, moi je pense que les conduits, peu importe dans lequel ils rentrent, ça veut dire qu'ils peuvent sortir par n'importe quel conduit. Et donc on est un peu dans la mer. N'empêche que là c'était pas mal ce qu'on a fait parce qu'on a quand même réussi. On a quand même réussi à ouvrir la porte. Donc c'était, il y a du progrès. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de rusher directement le système de filtration d'air. Je sais pas du tout, c'est peut-être pas du tout ça, mais genre pas du tout. Mais on va essayer quand même. On va essayer quand même. C'est parti. Sinon, active filtre à l'air en premier, comme ça il rentre pas dans un conduit. Et ouais, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire là. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Système 1. Non, système intable. Active filtre à l'air en action. Je trouve ça un truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup ça ressemble un peu à du Die and Retry, vu qu'on sait pas comment ça marche. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Roger là? Maintenant que le filtrage de l'air est actif. Ok, il knocker complet. Il knocker complet. On va essayer de trouver. Il doit y avoir sûrement un truc à faire. Il me semble avoir lu une fois dans les astuces que ça servait à rien, strictement rien, de semer l'alien. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, même si c'est la merde absolue et qu'il nous court après pour nous manger les pieds, on va... Oh putain, il peut sortir par là en fait. On va essayer de rester toujours accroupi. Pas du tout. Il me semblait qu'il y avait une commande ici pour hacker les systèmes. Mais là, là je vous explique ce qui va se passer. Si j'hack le système là, il sort là. C'est genre spotted à 3 milliards de kilomètres. Est-ce... Oh. Niveau de sécurité trop élevé, c'est vert, on peut pas rentrer. Tant pis, tant pis, tant pis. Roger, où es-tu? Roger. S'il sort là, c'est la décédence. Tout de suite, instantanément. En fait, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est genre le voir sortir là-bas et se dire ok. Let's go, et on essaie d'hacker le système le plus rapidement possible. J'ai tellement... Oh. Oh merde. J'aurais bien try, mais s'il est rentré dans le conduit, j'ai peur qu'il puisse ressortir instantanément là, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen... Hier, quand on était passé dans la station des trains, il y avait 2-3 cachettes, il y avait des bordels. Je sais pas du tout si on peut y retourner. On va voir ce qui se passe. Au pire, ou alors on risque de dire du rien, t'es tentant quand tu cours et le fait de rester accroupi, t'es en mode silencieux, c'est pas que t'es là. Et en fait, je pense que c'est exactement ça. Je crois qu'il est juste là au-dessus en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le voir. Une fois qu'on l'a vu et qu'il est pas, il est assez loin de la porte, on va rusher la porte en mode déter. Il a un gros bug là, il dit merde. Oh! Ok. Pour faire le doublage de l'alien, en fait, ils ont filmé une friteuse et tout va bien.
La prochaine fois qu'on le voit, on rush comme des gros porcs à la porte, on essaie de synchroniser tout ça le plus rapidement possible, et on va voir ce qui se passe. D'accord, donc en fait quand on s'approche d'un bord, ça c'est gênant à savoir, on s'allonge. C'est juste nickel. Bon, on n'a plus qu'à attendre Roger. Et on verra bien ce qui va se passer. Parce que, qu'on soit d'accord, qu'on se le dise, à chaque fois que j'essaie d'hacker le système pour genre activer les haut-parleurs, le filtrage de l'air ou quoi que ce soit, il mange les pieds quoi, donc c'est mort, c'est archi mort. Oh, il me semble qu'il est sorti, non? Le mec il fait trop sa vie dans les conduits. Il n'y a pas du tout. Pas du tout. Et genre on peut pas... Oh! Ça c'est nice ça. Mais non mais on va trop remourir en fait. On va trop... remourir dans la décédence. La caméra quoi. On l'entend marcher mais j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est en fait. C'est ça le bordel, parce que s'il est juste là, c'est genre... Oh merde! Ok d'accord, on a encore perdu du temps. On a encore perdu du temps. Où est-ce qu'on pourrait avoir une bonne vue sans être trop loin de la porte? Là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là, exactement là. Et qu'on va attendre que Jean-Roger sorte. Et une fois qu'on l'est sorti, on y va tête baissée. Et on prie pour que je me faille pas. On a un conduit là, donc genre si. Il me semble qu'il est sorti là-bas. Oh non! Oh nice! S'il part par là. Pas du tout. En fait, il est juste aveugle ce con et se repère au truc, au bout. Oh! Oh merde! On rush comme des porcs, tant pis si on meurt, on le try. Synthoniseur, donc c'est espace, c'est pas 1, donc ça serait brain. Allez. Oh! Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu, apparemment j'ai raté du lourd, et bah t'as raté la guerre, ouais. Et il est passé dans le Toyo, en effet, il s'est cassé dans le Toyo, et du coup on était brain, parce que si c'était cassé dans le Toyo et qu'il était juste au-dessus de nous, on était reparti pour un tour, mais en fait pas du tout. Par contre j'aimerais bien, c'est tout con hein, mais j'aimerais bien qu'il y ait une station de sauvegarde, juste pour le coup quoi. J'avais raison. J'avoue qu'il y a eu un moment intense. Le moment où le bordel nous est passé juste devant en mode coucou no care, c'était assez intense. Mon nom est Ripley, Amanda Ripley, j'ai besoin de votre aide. Non mais le mec est pas vivant. Quelqu'un va vous recevoir. Ah mais c'est un synthétique, d'accord. En fait pour ceux qui connaissent pas l'univers d'Alien, notamment il y avait
Il y avait Soulstice hier qui m'avait dit ça. Les synthétiques, en fait, ça revient souvent dans les films d'Alien, et donc en fait, c'est simplement des robots humains, en fait. C'est des robots qui ont pour projet de plus en plus s'approcher de la forme humaine, voyez-vous. Où est la station de sauvegarde? Pour votre confort et par souci de sécurité, me synthétique lampe. Je sais pas du tout si... Légende, il me semble qu'on peut appeler la légende. Point de sauvegarde, c'est une disquette, il n'y en a pas du tout. On est Rickrolled. Ça a été conçu pour être reconnu du premier coup d'œil. Des études ont démontré que les consommateurs ressentent souvent une certaine gêne lorsqu'ils interagissent avec des humanoïdes avancés. Les lambdas de Sixon sont facilement reconnaissables. Vous saurez donc toujours à qui vous vous adressez. Soudeur Ionic Rocky. Ne vous préoccupez de rien. Ben pour le moment, on est un peu entier pour ça. J'essaie de check les maps un maximum. Soudeur Ionic, on est niqué. Ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Bon, je dois vous avouer que j'en profite un peu que la pression soit redescendue. Puis-je vous aider ? Je dois aller au contrôle des communications, c'est urgent. Il s'agit d'une zone interdite. C'est important. Vous voyez pas ce qui se passe ? Apollo contrôle la situation. Votre enregistrement est presque terminé. Laissez tomber. Je me trouverai un chemin. C'est pas gentil. Je vous le déconseille. Très utile, monsieur le synthétique. En fait, il y en a masse. Il y en a masse, il y a des synthétiques partout. Ramasser le détecteur. C'est une sorte de détecteur. Oh nice! Donc ça c'est un item populaire dans le film. En fait c'est comme ça qu'ils repèrent à peu près où est l'alien quand ils ont compris qu'il existait et qu'ils essaient de le traquer. C'est que voilà. Par exemple, avant de rentrer dans une canalisation, nous allons toujours maintenant check au détecteur de mouvement si nous avons un point qui fait bip bip. Oh putain. Non, aucun bien, problème. Ramasser agent collant. On essaie de ramasser un peu tout ce qui peut nous servir. Parce que je sais très bien qu'hier on avait des soucis de points de vie avec nos décédés amis de l'autre salle. En vrai, j'aurais voulu être au petit. J'aurais voulu être au petit, je serais passé en fait sur tous les cadavres pour essayer de looter tout leur bordel, mais situation de crise, ce n'était pas possible. C'était strictement impossible. C'était nul à chier. Donc, on a été obligé de rusher. Alors, nous devons accéder à la salle de contrôle des Chroms. Pour gérer les communications externes, trouvez-la et envoyez un message au Torrens. Le Torrens, c'est notre vaisseau sur lequel on était au tout début de la partie. Elle est à la salle de contrôle des Chroms. Ok, bah je veux bien faire ça. Accès aux Chroms. En fait, j'en viens. On retourne et on va essayer de trouver ce qu'il faut faire. Chercher, mélange B, fumigène, détecteur. Détecteur, inventaire plein. Ok, donc en fait, on a un peu rickroll. Est-ce que si je fais des crafts, ça libère de la place dans l'inventaire? Peut-être, peut-être pas. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir? Utilitaire, voilà, donc ça doit être ça. Accès à la porte, forcer le mécanisme de la porte, voilà, nickel, c'était ça. On a un casier. Retenez l'emplacement du casier. Nice. Mesdames et messieurs, nous n'aurons plus à aller affronter l'alien dans cette salle aberrante. C'est terminé. Nickel, il y a l'éclairage. C'est parfait. J'imagine qu'on a tout de même un peu de temps devant nous avant que la pression remonte et qu'on se retrouve de nouveau face à Roger l'alien. Je pense qu'on a un peu de temps.
Les points situés au bord de l'écran détectent un mouvement indiquent votre objectif. D'accord, en fait l'objectif est par là. Émetteur de son. Ah ouais! Donc en fait, si l'émetteur de son, et bien ce que je pense, il y aurait peut-être moyen d'en crafter, de jeter ça quelque part et de bait l'alien dessus et de lui passer dans le dos. Donc notre objectif est par là. En fait, je pense qu'on va avancer D'accord, c'est les synthétiques. Ok. C'est assez fat. Cet item est assez fat, on se met d'accord. Je sais pas si on expert, le taux de pop de l'alien augmente, histoire d'être bien tendu. On en discutait hier, justement, et je pense que... Enfin, on rediscute juste après leur parole. Ripley, Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Il y a forcément un autre chemin. Trouvez un autre chemin. Donc ouais, on discutait hier du mode expert et de la différence avec les autres modes. On pensait déjà que c'était par rapport aux items. Donc, par exemple, on ramasse de la merde partout, ce qui s'appelle la camelote. Et donc je pense qu'en mode normal ou en mode un peu plus facile, la camelote doit être remplacée par des trucs utiles qui te permettent de crafter ses oringues pour survivre et tout ça. Déjà, il doit y avoir ça. Et je pense aussi... que l'alien nous détecte beaucoup plus facilement et que notre barre de vie descend beaucoup beaucoup plus vite. Parce que hier, dès qu'on prenait une balle par les mercenaires, c'était terminé, one shot, au revoir. Et donc je pense que ça... Le taux de pop de l'alien, je sais pas, parce que je pense qu'en fait c'est assez scripté et que les endroits où... je pense que les endroits où pop l'alien sont définis à l'avance et que en mode expert, en mode normal, ça ne change rien. Mais ce sera quand même beaucoup plus tendu, forcément. Chercher agent serein, agent collant, c'est parfait. Notre objectif... On a plus de l'objectif, donc trouve un autre chemin. On va essayer par là, utiliser le synthoniseur. Alors c'est tout con. Oh! Donc qu'est-ce qu'on doit faire là? Connexion en cours. D'accord. En fait, il faut que j'appuie sur espace quand la barre passe dans la barre jaune, la barre blanche. Et ça me permet d'ouvrir et d'hacker la porte. C'est tout con, mais j'adore ces petits bordels, sauf quand Roger est derrière nous, forcément. Pile de lampe torche. N'empêche que. Hier, grâce à nos wipes, on a pu voyager dans le noir et on a pu économiser masse. Je pense qu'on n'a pas le choix, mais on a pu économiser masse. Masse lumière. On y va en mode Boldy. Donc c'est-à-dire qu'on met pas la lampe, mais qu'on utilise le détecteur. Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution à l'amiable. Ok, donc en fait j'ai l'impression que les synthétiques, un peu comme dans les films, sauf un, sont en mode vous quitterez pas la station, allez vous faire mettre. D'accord. Les synthétiques sont très sympathiques. Et nous allons agir en conséquence. Et là, on peut vraiment dire qu'il a claqué sa tête, le pauvre. On a dit qu'on y allait en mode ballsy, c'est-à-dire qu'on y va les yeux fermés, mais avec le détecteur. Et par contre, c'est un peu con, parce que s'il y a un truc, je sais pas du tout par où on va. Éviter la détection. Oh! D'accord. Donc j'imagine que si on se fait spotted... Est-ce qu'on a un revolver? Nickel. Si on se fait spotted, on va se faire accueillir par les synthétisés, les machins. Là. Le mec avait un mal de crâne, alors le robot l'a un peu aidé avec ça. En fait, ça doit être ça. Ça doit être ça, complètement. Donc my bad, je suis désolé d'avoir condamné le synthétique avant. D'avoir réfléchi un peu. Parce que c'est sûr que là, il a plus mal. Là, il est bien. Là, il est posé. Et que c'est terminé.
Est-ce qu'on a l'objectif sur notre détecteur? Oui, on a l'objectif, ça c'est nice. En fait, je pense qu'il faut juste aller sur la porte verte qui est là-bas. Est-ce qu'on en vient là-bas? Je sais pas du tout, mais on va éviter d'aller faire les fifous avec les synthétiques. Est-ce qu'on m'explique comment je suis censé passer? C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Ils prennent le futur, le mur, exactement. Exactement. A votre avis, si je tire une balle dans la caméra, parce que la caméra serait morte et on passe, mais si je tire la balle dans la caméra, le mec va me spot et donc ça sera terminé. Ça sera terminadores. Ok, c'était pas du tout ça. Ce n'était pas du tout ça. Alors, il y a peut-être moyen. Tout n'est pas perdu. On va... Oh ! Peut-être que mon aide survivra à quelqu'un. Plus suivez-moi, je vous prie. Allez ! A plus dans le bus. Au revoir. En fait, il n'y a pas besoin de prendre la tête, hein. Non, on tire pas. Ouais, mais on a bien fait de pas tirer sur la caméra, puisque c'est passé nickel. C'est passé nickel. Bloc central de communication. Accès réservé aux employés de Simpson. La sauvegarde. On est parti. Ok, d'accord. Il y a encore un monsieur là-bas. J'imagine que... l'objectif est là-bas. En fait, c'est assez pratique parce qu'on a la direction de l'objectif et on n'a pas du tout l'étage. Et en fait, s'il y a une certaine verticalité dans le niveau, on est un peu rickrolled parce qu'on va devoir chercher un peu partout. Si c'est ça ou pas. Je vais regarder l'objectif en fait. L'objectif, c'est aller à la salle de contrôle, donc en fait c'est dans le fond à gauche, c'est par là-bas. On est parti. Ok, donc là on a le reroutage, donc j'imagine qu'il faut faire quelque chose. Communication extérieure désactivée sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications en cours sont. Verrou actif. Super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Où est notre terminal de communication? Est-ce que c'est indiqué sur la map? Ok, donc c'est par là-bas. J'imagine qu'on va devoir passer par le conduit. Je regarde vite fait, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants, hein, on sait jamais. Purification de l'air actif, image de la caméra actif. Et ben on va désactiver l'image de la caméra. Et voilà, nickel. Comme ça, on sera furtif. On pourra se glisser dans les ombres. Il y avait du mouvement à droite, si j'ai bien compris. Mais c'est bon, c'est la fin du conduit, on est safe. Pour le moment. Ok, d'accord, en fait je peux changer la vision quand je clique droit avec le bordel. Parce que là vous voyez par exemple mon détecteur de mouvement est stable, enfin on le voit très très bien, mais on voit que dalle loin. Et là, quand je clique droit, bah c'est l'inverse, donc c'est nickel. En fait ils auraient dû faire l'inverse parce que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de détails dans le bordel. Agent collant. Il faudra qu'on jette un coup d'œil, comme ça un peu plus safe, on jette un coup d'œil à tous les crafts parce qu'on a ramassé pas mal de plans tout à l'heure et ce serait dommage de pas s'en servir, notamment les bordels qui font du bruit, les leurs là. Les decoys, je pense qu'il y a moyen. Oh. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'en serve. Donc là on a un peu le point précisément et j'ai l'impression qu'il vient un peu vers nous là. Ok, donc on a deux. Le point de droite a disparu, le point de gauche est en fait là du coup.
Est-ce que si les mecs bougent plus, est-ce qu'ils sont plus détectés? Parce que ce serait un peu la merde, en effet, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, j'aimerais bien juste savoir par où est-ce qu'on va se diriger. On va faire ce qu'on peut. Tous les représentants commerciaux doivent se présenter au synthétique. C'est un peu la merde de passer par là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un peu craignos. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement? Je ne crois pas. Alors on a un point d'exclamation sur la map, on va retourner rapidement voir ce que c'est, parce que généralement c'est comme ça qu'il faut faire. On peut courir, c'est bon, il n'y a personne. Actualiser la... Oh! Actualiser la carte. Nice! Donc c'est par là qu'il faut passer. Nickel. Et l'autre point d'exclamation, je sais pas du tout... En fait, il y a masse point d'exclamation là sur l'autre. L'avantage, c'est que maintenant, on sait où aller. Donc, on va se diriger par là. Oh merde! Donc en fait, j'ai juste envie de try ça. C'est tout con, mais on va try. Normalement ça passe crème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils font les malins là devant le casier, mais ils ne vont jamais ouvrir un casier. Nice, parfait. Oh merde. Alors là pas du tout. Fail le complet de ma part, mais c'est pas grave. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va rusher par là. Ce qui fait qu'on va réatterrir en bas. Et vu que eux ne sont plus en bas, on pourra passer nickel chrome. Et voilà. En même temps, faut pas trop leur demander. En fait, j'espère juste qu'il n'y en a pas d'autres un peu partout. Parce que sinon, on est grave dans la merde. Ok. On rush dessus par la droite, donc on va passer par là. J'ai aucune idée d'où je vais. Qu'on se le dise. Mais j'ai l'air d'être dans la bonne direction, donc c'est nickel. Accéder au reroutage. Est-ce que quelqu'un me rejoint? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez. Oh! Oh! Ok. Ok, d'accord, donc c'est en mode j'ai une tête, mais ça ne sert à rien. Alors là, c'est très simple, on va faire le jeu de la table. C'est-à-dire que s'il va à droite, je vais à gauche. Et s'il fait l'inverse, je fais l'inverse. Néanmoins, j'aimerais ne pas faire ça toute ma vie. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un... Mais est-ce qu'on en parle de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on en parle? Il a l'air assez malin. Voilà, nice. Continue. Est-ce qu'il y avait un casier, une merde pour se cacher? Pas du tout. Est-ce qu'il y a moyen de le semer ailleurs? Je ne sais pas. On va courir comme un mongol en fait. Je pense qu'on va courir comme un gros tarde. Et on va prier pour... Ok, il arrive. Il arrive. Donc c'est la merde. Je sais exactement ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'on a le routage, on peut ouvrir la porte en détournant le système.
Seulement, le souci, c'est que on a George avec nous. Et ça va être un peu la merde. Tant qu'il n'y a pas Roger l'alien, j'ai envie de dire, c'est jouable. A mon avis, il doit être comme les mercenaires, ils peuvent pas accéder au conduit. Mais, tout de même, soyons prudents. Soyons prudents. Allô ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide. Je vais essayer de check la map, donc on est là, il faut accéder au terminal, je ne sais plus où est-ce qu'il est, légende. Est-ce qu'on a les terminaux? Les terminaux, objets, outils, armes, donc c'est peut-être que... C'est... Ouais, donc en fait c'est exactement là-bas. Bon, on va essayer d'y retourner. Sauf que, à votre avis, si je vais par là-bas... est-ce qu'il y a encore? Aucune idée. Ils sont plutôt amicaux en fait, il a voulu de faire un câlin. Oui mais non! Non merci. Medikit, on va en recraft un. Surtout qu'on a ramassé masse trucs en fait depuis tout à l'heure, donc on peut y aller en mode... En mode on consomme à mort. Parce que là, si on refait un câlin exactement, et bah. Adieu quoi, c'est la décédence. Normalement, il n'y a aucun Gérard à proximité. Accès réservé à Dixon. Normalement, il n'y a aucun Gérard. Oh, il y en a un là. Il y en a un là qui me rush dessus. Ah mais il a pas pu me voir, c'est pas possible. Bonjour, il est en vie! Oh putain, il y a son copain Roger qui arrive. A votre avis, est-ce qu'ils peuvent mourir? Est-ce qu'ils peuvent mourir du décès ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Putain. Bon, je pense que c'est la décédence. Je pense que c'est la décédence. Pas encore. À mon avis, ils peuvent pas mourir, on va retry. Aussi ! Alors ? Il a une bonne tête, hein ? N'empêche que du coup on est bien. On est vraiment bien là. On va pouvoir se balader en mode safe. Donc éclairage. Si quand même l'éclairage. Image de la caméra on va virer. Système de l'alarme on va virer, on va mettre accès à la porte. Du coup je sais pas du tout quelle porte ça a déverrouillé. Ouais, regardez ça. Et on va essayer de trouver. L'objectif c'est réactiver la communication de Samuel. Donc c'est juste là apparemment, selon la map. Il était pas tout seul je pense le Gérard, donc on va quand même faire gaffe. Donc théoriquement c'est par là, je suis en plein sur le point. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Utiliser les touches des placements pour sélectionner des valeurs. D'accord. Tout à fait. Entrer pour confirmer. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur les machins en blanc? Non mais en vrai. C'est exactement ça, je crois. Je suis pas sûr. Appuyez sur la touche de déplacement correspondante lorsque le circuit est actif. Quoi? Il y a des points à gauche, donc par exemple en haut on a un point à gauche, à droite et en bas. Est-ce qu'il faut que j'appuie sur les trois en même temps? Ah non, pas du tout, pas du tout, je suis un gros tarde.
Le rond qui compte, c'est le rond qui est éteint. Par exemple, faut que je fasse... Hop. Voilà, nickel. Nickel. Et le dernier. Voilà. Exactement. Ensuite, utiliser gauche et droite pour équilibrer les valeurs. Équilibrer les valeurs. D'accord, en fait, il faut qu'on s'arrange pour que les deux correspondent. Bah voilà, c'est nickel, ça. Verrouillé. Parfait, parfait. Samuels, vous êtes vivant. Ici Ripley. Ripley, quelle heure, c'est Ripley. On s'inquiétait. On pensait... J'en suis sorti. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible, c'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose, une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer, il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne et les blessures. Lawrence? La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Bon, sur le papier, on est bien. Ça veut dire qu'ils vont venir nous rechercher et que... Communication non autorisée. Ok, on n'est pas du tout bien. C'est la guerre. Il faut retourner en arrière, et j'imagine en fait que tous les synthétiques à la ronde vont nous rusher dessus. L'avantage, c'est qu'on sait qu'ils peuvent mourir. Le désavantage, c'est qu'on a plus de balles. Ou très peu. Donc, si on en croise... Si on en croise, ça va être la décédence. Exactement comme ça. Est-ce qu'il y a moins de les kites dans la salle? Je pense... je pense qu'il va trop mourir à l'écran. À moi. Oh, ils sont... Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur l'intelligence artificielle. Ils ont essayé de me faire le coup du sandwich. Ok, donc eux, ils me rushent dessus encore, mais est-ce qu'il y a des gens par là? Pas du tout, apparemment. Si je chope par la porte de droite, je suis un peu nul à chier. Alors, ce qui est bien, c'est que ça met en pause. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui. Nickel. Oh! Mais genre, d'où ils sortent? On est passé, il y en avait deux. On revient, il y en a 23. Est-ce qu'on m'explique? Est-ce qu'on en parle? Communication centrale. Accès réservé. Il y a peut-être, en fait... Peut-être qu'il fallait y aller en mode furtif. Mais vu qu'on est des rebelles, pas du tout. Hein. Pas du tout, on est d'accord. Les visiteurs doivent se présenter à l'arrivée. Le conduit qui va nous mener normalement en haut. Donc on va être bien. On va être posé parce que théoriquement on va lâcher. Enfin, ils vont arrêter de nous poursuivre comme des gros tarés. Et ça serait bon. Alors Morpheus qui nous dit tu peux pas les taper au point. Je pense que si je peux utiliser mon espèce de clé à molette pour les défoncer. Sauf que le souci c'est que si je fais ça, ils vont me mettre grave dessus. Et comme tu peux le voir en fait en bas à gauche de mon écran, je n'ai plus du tout de point de vie. Et d'ailleurs, en disant ça, je pense qu'on va refaire des seringues. On peut encore en faire deux. Non, on peut en faire une. On peut en faire deux. On peut en faire deux. Donc on va en faire deux. Et on va en utiliser une pour le moment. Alors, hop. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si on peut crafter... Pas du tout, il nous manque un truc. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Je suis en train de me demander si on peut crafter des balles de révolver. J'en ai aucune idée. Alors, le medikit, merci. Medikit. Non! Voilà, medikit. Nickel. Ah d'accord, et non, on voit pas parce qu'il y a ton Facebook et ta chaîne YouTube. Et voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais les décaler. Vous me dites, dites-moi en direct si... où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre en haut, à gauche. C'est mieux, non? On va les réduire peut-être un peu, comme ça. Voilà, nice. Et on va le mettre en haut à gauche. Du coup, ça devrait pas tellement être gênant. Et je remets vite fait le chat pour que je vous vois. Nickel. Et on devrait un peu mieux s'en sortir.
On va reprendre le revolver en main, quand même. Même si on n'a plus masse balle. Il reste combien? En fait, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je jette des balles par terre, parce que quand on n'a pas fini le chargeur, c'est pas du tout comme les jeux d'arcade, il jette tout par terre. Enfin, elle jette tout par terre. Ok, donc ça a l'air d'être... En fait, j'avais peur qu'ils me suivent, mais au cas où, il y a un casier, donc il y aura peut-être moyen de les brain. Mais apparemment, il n'y a rien du tout. Donc on va regarder s'il y a des trucs à faire là-dessus. Le bonhomme, le truc chelou, la prise et... le logo d'hier, voilà, nickel. Il te reste une balle là. Ouais, mais il me reste deux balles, je crois. Une dans le chargeur et une dans mes poches. Et tout à l'heure, je crois que j'en ai mis trois avant qu'il tombe, le bordel. Donc, j'ai syntonisé, mais je crois que j'ai pas ouvert le truc. Utilitaire, ça c'est important. Ok, il n'y a rien du tout en utilitaire, donc on a un peu rickrolled. Un retour. Erreur, opération autorisée, accueil du torrent, dégâts du torrent, accueil du torrent, tout en dessous. Je sais pas du tout s'il faut faire un truc avec ça. Camelot, agent collant, nice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner par Exxon Combs pour s'échapper. Non, en fait, il faut que je back. Il faut simplement que je back, je crois. Il faut que je revienne en arrière. Tout simplement. Tout simplement. Non, il me semblait que j'avais un objectif là où je suis pas sûr, je check. En fait, ouais, on a un objectif qui s'affiche, vous voyez la petite barre sur mon détecteur. Mais ouais, il me dit de nous casser, c'est exactement ça. Et par contre, je disais tout à l'heure que le truc prenait pas la verticalité de la map, mais en fait, pas du tout, parce qu'il s'actualise en fonction de là où je me trouve en fait sur la map. Je sais pas si vous avez regardé, mais quand je suis passé dans l'escalier, l'objectif se mettait à jour en direct, donc c'était assez sympa. C'est assez sympa. Alors, je regarde vite fait l'heure qu'il est, 21h13. Je pense qu'on fera une pause à 21h30, c'est-à-dire la moitié du live, et ça durera juste 2-3 minutes, histoire de d'aller boire un coup, quoi. Et on se retrouvera juste après. Donc on fera la pause dans 15 minutes. Ok. Ok, donc il y a un Roger juste là. Je sais pas du tout si vous avez vu, je ne pense pas. Je pense qu'on est biais. Surtout qu'il passe par la droite. Donc s'il passe par la droite, bah vas-y quoi. C'est nickel. On est dans la bonne direction. Il me semble qu'il y a une sauvegarde ici. Ici. Ouais, nice, on sauvegarde. On sauvegarde, j'ai pas du tout envie de refaire tout ce que je viens de faire. Enfin, ça me dérangerait pas dans l'absolu, mais c'est quand même mieux qu'on découvre, qu'on avance dans le jeu, sinon on s'en sortira jamais. Jamais. Et retourner par Section comme sur s'échapper, donc j'imagine que c'est par là qu'il va falloir. Oh! Oh, il y a un point. Il y a genre un point juste à côté là. On va rusher. C'est par là. N'empêche que si ça marche, vraiment, oh merde. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Pas du tout, j'en sais rien. Ça va, il bouge. Je pensais qu'il allait genre squatter là en mode vous ne passerez pas, mais pas du tout. Je sens un alien venir, je sais pas pourquoi. Bah tu vois, moi pas du tout. Je sens qu'on va, être encore aux prises avec les synthétiques pendant un petit moment, et après ouais. Je sens le coup venir, c'est qu'on va réussir à remonter sur notre navire, tu vois, donc le Torrens, et que Roger l'alien viendra avec nous parce qu'il est très affectif et qu'il veut pas tellement nous laisser seuls dans l'espace, et que ça va être l'orgie sur notre vaisseau. Donc ouais, il faut que je passe par là et que je tourne à gauche. On va y aller en mode prudent parce que vu que j'ai pas du tout de balles, j'ai pas envie non plus de réaggro un synthétique, surtout qu'il y en a sûrement d'autres dans le couloir après. Donc, on va essayer d'y aller en mode safe. Ce que je propose, c'est qu'on va regarder si on peut craft un émetteur de son. Pas du tout, parce qu'il nous faut un pistolet seringue et qu'on a tout utilisé pour nos seringues. Donc si on rechoppe une seringue, on la garde pour l'émetteur de son, j'ai envie de try ça.
On voit comment ça marche. Le caractère dit, si c'est vrai, t'es fort, très fort. Et là, je le sens vraiment comme ça. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont nous faire cette histoire-là. On voit une espèce, je sais pas si vous venez de capter, mais il y a un point qui a circulé en mode trop vénère dans les conduits. Et en fait, ce serait peut-être bien Roger l'alien. Ça serait peut-être bien Roger l'alien. Donc si c'est ça, Kiroir, bravo. Tu auras gagné cette prédiction. Alors c'est l'alarme absolue, il y a un intrus dans le navire, c'est la guerre, il y a des aliens. Et le synthétique a décidé de continuer à regarder dans la salle qui est vide. Ok, donc s'il n'est pas coopératif, on va passer derrière lui. Hein. Parce que s'il est exactement comme l'alien, on peut lui marcher sur les pieds, il ne verra rien. D'accord. Le mec n'a pas tellement envie de nous laisser passer. En fait, limite, je préfère... Ouh. Nickel. Continue. Parfait. Allez, salut, hein. Ouais, donc ça, c'est le bordel là-bas. Oh, deuxième. On va se mettre là. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Je sais pas du tout par où ça mène, ça. Ok, il m'a spot, on est dans la merde, je sais même pas où je vais. C'est fermé. Où est-ce que ça mène, ça? Ça remène dans la salle avec l'autre synthétique. Est-ce qu'il nous suit? Il nous suit. Ok, on va y aller en... Oh non! Voilà, nickel. On va y aller en mode déter, c'est-à-dire que tant pis, on va rusher comme des gros porcs. Donc c'est pile là. Théoriquement, je suis bien. Pourquoi il y a la musique qui fait genre attention, il y a un truc dark alors qu'il y a rien du tout? On en parle? Je continue de faire attention où je mets ma tête, parce que j'étais un peu traumatisé par l'apparition de Roger tout à l'heure. Et donc voilà. Est-ce qu'il nous reste une seringue? Il me semble qu'on en avait craft 2, nickel, on va réutiliser. Parce que... Oh mais attendez, on est revenu. Ok, c'est la merde absolue. C'est la merde absolue parce qu'on est revenu où il y a Roger l'alien. Je vais essayer d'activer la seringue maintenant. Parce que, enfin en même temps, ça a un peu servir à rien. Mais ça sert à rien de l'activer quand c'est les moments chauds. Il est pas là. C'est nickel. Oh putain, il y a le point juste là. Ok, on est reparti. Ok. C'est la merde. C'est la merde absolue. Je pensais vraiment pas qu'il allait me voir. Tout à l'heure, on est passé juste à côté de lui, il nous a même pas spot. Et là, il nous a rushé dessus en mode meurt. Et du coup, il faut recommencer. Il me semble que j'ai sauvegardé pas trop loin, donc ça va. C'est jouable. Retourner par Sexumscom pour s'échapper, donc il faut faire du demi-tour. Ça va. Et en fait, au lieu de la jouer vénère en rushant comme des gros porcs. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu de la jouer justement en mode doucement, je veux pas que tu m'aggro, on va foncer comme des tardes. On va attendre que lui avance quand même un peu, sinon il va nous attraper dans ses bras et on va gâcher de la vie pour rien. Voilà, nice.
Et là, là on va rusher. Ok, donc le point qu'on a vu tout à l'heure était bien Roger Alien. Non mais Kiroar le sentait, ouais c'est exactement ça en fait, parce que pile au moment où est-ce que t'as dit ça, c'était le moment en fait où est-ce qu'il y avait le point qui passait au-dessus de nous, et c'était le moment où Roger l'alien était là. Donc en fait on va vraiment avancer perma comme ça, et là, là le point c'est Roger l'alien. Donc en fait c'est nous follow, et on va, et c'est la merde parce qu'on va devoir toujours... On va devoir toujours sortir le détecteur. Ah mais c'est ça parce que on est passé là en mode il se passe rien, tout va bien, et là on repasse et il était là. Donc en fait ça m'a surpris aussi. C'est assez oufesque. Il est encore là. Hein. Il est encore là. Par contre il a le droit d'avancer le synthétique, je sais pas si l'on a envie. Mais il a le droit. À votre avis, ça passe? Ça passe. Nickel. Grâce à Sixon, quelqu'un est toujours là pour vous aider à chaque étape du chemin. En fait, il y a peut-être moyen qu'on aille assez vite sans, sans forcément se faire spot. Si j'arrive là, donc... Ouais, il y a moyen, c'est jouable. C'est jouable, et du coup, on aura gagné masse temps sans perdre de points de vie. Donc, bravo. Bravo à nous. C'est par où après ? C'est par là-bas. C'est par là-bas. Alors ça, par contre, je m'en rappelle pas du tout. Étrange. Pourrais-tu, s'il te plaît, bouger de là ? Alors là, c'est la merde absolue. En fait, on va essayer de les aggro tous les deux ici. Comme ça on passe là comme des grotardes. Et j'espère qu'on peut tourner. On peut pas tourner. C'est la mort, c'est la décédence. C'est la décédence. C'est la décédence. Parce que là même si on arrive à tuer un des deux, c'est terminé quoi. Pas du tout! Pas du tout! Ce sont des abrutis! Pas du tout! On est encore loin quand même du synthétique humain. En fait, je pensais que je pouvais pas du tout... du tout passer, mais en fait, si complètement. Donc là, ça va re-être la merde parce qu'on a plus de points de vie, on a l'alien. Mais... de toute façon, qu'on ait 0 points de vie ou 130 000, l'alien one shot, donc on s'en fiche un peu. Utilise l'alien contre les synthétiques. Bah, j'ai pensé que ça allait faire ça justement parce qu'en fait, le premier synthétique était juste. J'ai envie que l'alien m'attaque. Le premier synthétique était juste en dessous du conduit. Et donc je me suis dit, il va le choper. Au revoir le synthétique, c'est fait, mais non, pas du tout. Parce que peut-être que. Peut-être qu'il détecte, hein, peut-être qu'il sait si on est humain ou pas. Là, le Kubin, bah, il est retourné en arrière. Bah je sais pas, il est là, il était genre juste là, c'est bon il est passé. C'est la décédence. C'est la décédence. Je sais pas du tout comment on est censé la jouer. Mais c'est pas du tout comme ça. Au plus grand calme, le mec vient de zigzaguer entre trois robots, genre au revoir, c'était sympa. C'est exactement ça. Ça m'a bien fait marrer justement parce que pour moi j'étais mort, genre archi mort. Enfin, je veux dire, on est dans un truc de 2 cm², il y a trois robots qui sont en train de nous arracher les os.
pour faire de la musique, et on peut s'échapper en mode tout va bien, au revoir les potes. Donc ça m'a fait assez rire. Par contre là, là qu'on en parle, on a un souci avec Roger et Yann. Je sais pas du tout comment on est censé passer. Après je suis peut-être un peu le con parce que j'arrête pas de courir. Et donc on va essayer d'y aller vraiment en mode accroupi un max. Parce que je... il a un gros focus sur nous, hein, qu'on en parle, mais il nous aime carrément bien. Donc là on va faire gaffe à Roger qui passe au-dessus. Et on va faire gaffe également. Je sais pas du tout si... Ok, nickel. Normalement si on passe pas en dessous du conduit, il va pas genre sortir sa queue pour venir nous attraper le genou et nous tirer dans la canalisation, je pense pas, non c'est bon. Donc je viens de voir qu'on est passé à 13 viewers, donc bienvenue à tous ceux qui viennent de me regarder, et ceux qui viennent d'arriver aussi il y a quelques minutes. Bienvenue avec nous dans cette deuxième partie. Oh, des aventures de Mirani dans... Oh, il m'a vu! Ok, on y va en mode knocker. On y va en mode knocker. Et on va essayer... C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, nice. Et donc on va aller réaffronter Roger l'alien. Alors là par contre on va y aller en mode... C'est chaud de prendre l'alien au sérieux quand on l'appelle Roger. Mais c'est justement tout, là toute ma stratégie de combat, puisque nous pouvons l'aborder de façon beaucoup plus sereine, maintenant qu'il est intime avec nous et que nous savons son prénom. Ok, donc c'est là que c'est la merde absolue, et on va y aller en mode grosse fiotte, j'ai pas honte de le dire. Il est passé. On est bien d'accord qu'il vient de passer, on peut continuer. Il y a un putain de conduit de merde juste là, et je sens bien le coup du... Alors, attendez. On va prendre 5 secondes, il y a un point de sauvegarde là. Si jamais on arrive là, quoi qu'il arrive, on rush comme des gros porcs, et on sauvegarde. Parce que même si on serait coincé, par exemple, sur une sauvegarde, qu'à chaque fois on reset et qu'on se fait tuer par l'alien, il y a une option qui nous permet de recommencer la sauvegarde juste avant. Donc on pourrait revenir, et tout irait bien. Et tout irait bien. Donc, rush sauvegarde. Ok, on peut se cacher là. Je sais pas du tout si on peut s'en sortir sans croiser l'alien. Parce que là, pour le moment, il est toujours dans ses conduits, il fait rien du tout. Et c'est quand même assez beau jeu pour nous. Je sais pas ce que vous en pensez. Nickel! Donc adieu les synthétiques, ça veut dire adieu les synthétiques déjà, donc c'est pas trop trop mal. Et il faut aller il faut aller là. Il faut utiliser je sais pas quel bordel. Ah oui, encore plus de discrétion bien sûr. Dire que je pensais détester Sixon avant. Oh la merde. Où est-ce qu'il faut que j'aille en fait? Parce qu'il y a masse, transport. Il pourrait être n'importe où, c'est pas vrai? Donc en fait, dans ce jeu, tant que tu es accroupi, t'es safe. J'en ai bien l'impression, donc on va... J'espère qu'il y a des bons genoux parce qu'on va passer notre vie comme ça. Par contre, la merde! La merde absolue qu'on en parle, c'est que eux, ils sont en mode knocker et que ils vont marcher. Alors je pense... Je pense que Roger l'alien allait arriver, mais je crois qu'en fait on est bien, on est nickel.
Je sais pas du tout si j'ai pris la bonne. Je sais pas du tout si j'ai pris la bonne station. Peut-être que oui, parce que ça a lancé le chargement, tout ça, on va voir. Parce que ouais, tant qu'on est accroupi, on est safe, mais je pense qu'il y a des trucs auxquels on peut pas échapper. Bah c'est nickel, c'est pile ce qu'il fallait faire apparemment. Alors j'avais dit qu'on ferait la pause à 21h30, il est 21h31. Personnellement, j'ai pas tellement besoin de faire une pause, donc si jamais vous voulez qu'on en fasse une, dites-le vite fait sur le chat, et on prend 2-3 minutes histoire d'aller boire un truc, ou de faire une petite pause, un petit break, sinon il n'y a pas de souci, on continue, sans s'arrêter, jusqu'au bout de la nuit. Ok, donc Roger là. Il faut appeler ce transi. Pour le moment, tout va bien. Donc je vais manger, on se retrouve après. Bah bon appétit Valkyrax, et à tout de suite. À tout de suite. Encore plus de bruit, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'elle se ferme. Voilà, nickel. Nickel. Merci à Lucard pour cette news de World of Warcraft. Je ne t'ai pas ignoré, ne t'en fais pas. Donc là, en fait, le but, c'est de retourner auprès de notre vaisseau, et normalement, on sera safe, on sera bien, et on sera revenu de notre première excursion dans la merde, dans la guerre des tags, en vie. C'est assez révolutionnaire. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. C'est toi, Ripley. Mais en fait, pas du tout. Je pensais que... Notre vaisseau est encore en état et qu'ils étaient dans les airs prêts à nous accueillir, à se casser très loin. Mais non, ils sont là. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec moi. Ils sont là. Et si la créature. Est-ce qu'on en parle? Je vais m'en mettre en mode chauffe parce que mes cheveux sont extrêmement impratiques. Une faille de sécurité a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Nice. Et moi 5 secondes, parfait. Allez, à la maison médicale, on est parti. Je sais pas du tout si on a un téléphone dans toutes les stations, ce serait cool. Ça nous permettrait d'éviter de skip justement tout le bordel qu'on a fait si jamais on meurt. Voilà, c'est parfait. Parfait. Je serais dans ce cas... Tu serais dans ce cas, que ferais-tu? Dans quel cas? Dans le cas des... genre à la place de mon héroïne? Parce que si c'est ça, clairement déjà je donne pas de prénom à l'alien. Et clairement je pars jamais dans l'espace pour retrouver une boîte noire. En sachant très bien que c'est l'apocalypse. Pistolet seringue. Alors, dès qu'on l'a, on a dit on craft un émetteur de son, histoire de voir ce que ça fait, histoire de voir comment ça fonctionne, objet fabriqué, nice. Et on est encore sur le revolver, il nous reste 2 balles, j'espère que les humains meurent en une balle, si on leur tire dans la tête, ce serait assez con sinon. Et c'est par où? C'est par où? C'est pas du tout par là? Sortie de la zone, c'est pas du tout, mais pas du tout par là? Alors dans la théorie, nous devons... aller par là. Bon, oh putain, j'ai cru que j'étais pas ouverte, mais si, complètement.
Elle a la mission médicale de 100 machins. On y va un peu en mode Nokia, mais je vais continuer à avancer accroupi avec le détecteur de mouvement qui nous a complètement carry la game tout à l'heure. Parce que sans ça, je pense qu'on mourrait encore une dizaine de fois contre Roger. Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas. Attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Non mais ça sent le truc qui craint. Genre, il t'ouvre l'ascenseur, derrière il t'asphyxie, allez, il venez. Te vole un rein et c'est parti, quoi. On est parti rejoindre notre inconnu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on y aille en mode prudent, tout est éclairé, il n'y a pas l'air de... Ouvrez la porte, les marshals ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Ok, passez par le conduit. Ça, par contre, ça pue. Et le conduit est... Le conduit est où ? Bonne question. Le conduit est là. Doucement, je vais fermer le conduit derrière. Juste au cas où. Je vais fermer le conduit derrière vous, juste au cas où. Est-ce que franchement, ça sent pas le truc qui pue à genre 3 milliards d'hectares ? Est-ce qu'on en parle ? On y va en mode Nokia encore une fois, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas nos yeux, mais qu'on fait entièrement confiance à notre outil, détection de mouvement. C'est parti. Ok, on y est. Bravo, on a bien fait de pas utiliser les, la lampe torche. Je sais pas du tout s'il y a des endroits où est-ce que sans lampe torche on est dans la merde. On verra pas bien. Vraiment sur notre meilleur tour. Je vois. J'essaie de repérer des caisses avec cette petite lumière verte parce que ça veut dire que c'est des trucs à looter. Et on n'est pas vraiment au mieux du mieux au niveau des compos. Un téléphone, on sauvegarde comme toujours. Ah! C'est lui notre copain, non? Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous... Morlaix ou Lingard devaient sûrement... Si vous sentez le coup du conduit d'aération avis, venir... Plus de chance dans le bureau de Morlaix. Trouvez le bureau de Morlaix. Le bureau de Morlaix est... pas du tout ici. Maintenir pour se cacher. Est-ce qu'il va de... Est-ce qu'on va être obligé de passer par là? Je sais pas du tout. Là-bas, il doit y avoir peut-être moyen de passer, là. J'essaie d'éviter les conduits un maximum, comme je vous ai déjà expliqué, parce que je sais, je suis persuadé qu'il va se passer un truc un jour dans les conduits, et qu'on sera dans la merde. Carte d'accès requise, ok. On va essayer de fouiller un peu. On va essayer de trouver où est... Soit c'est moi, soit le truc me joue des tours. Ah non ! Mais c'est bon ! Arrête de bouger, toi, merci. Je crois qu'on a un peu pas le choix du tout. Contrôle d'urgence. Nice ! Allez, faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas ? On y gagne tous les deux.
continuez. Dans la zone. Alors attendez, on va se sourcer par là. Vous mettez nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de tout. Là, c'est sûr, c'est tout. Les cas tragiques. Vous tracassez pas, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus là. C'est juste obvious que Gérard, que Roger, pardon, sera là. C'est ça. Parce qu'on a quand même, qu'on en parle un peu, on a la disposition de la salle qui paraît tournée. On a 2-3 cachettes, on a des conduits. Donc il y a moyen de kiter l'alien là-dedans. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit là, justement. Alors est-ce que ça serait ça le bureau de Riley? Mais sauf qu'il est un peu fermé. Ouais, donc c'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a peut-être moyen de syntoniser ça, on va aller voir. Ici, niveau de... Voilà, utiliser syntoniseur, nickel. Ouais. Voilà. Donc c'est espace, hein. Vous y êtes, c'est le bureau de Morley. Le code d'accès devrait être quelque part par ici. Mec qui pète un câble avec le squelette du bureau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Objectif, trouver le bureau de Morley, on est dedans, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il doit y avoir des... je sais même plus ce qu'il faut. Le code de l'ascenseur, c'est ça je crois. Le code de l'ascenseur. Utilitaire. Parce que généralement, quarantaine, tout ça, enfin personnel, audio, machin, c'est du lore en fait, c'est de l'histoire du jeu. Et utilitaire, il n'y a rien du tout. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on trouve peut-être le code dans le lore, justement. Faut chercher des numéros fichiers corrompus, donc on est niqué. Docteur Lindia, il faut plus de stock, les stimulants ici. On commence vraiment à être à la cour avec elle, qui est distribuée, mais bon, ça n'aide pas du tout, ça ne sert à rien. Revenir, partager, quarantaine de l'hôpital. Voilà. Écoutez, mot de passe universel 1702. Ok, donc la carte d'accès qu'il nous fallait tout à l'heure est sur Morlaine. Attention, bien, violation de la quarantaine du centre médical détectée. Attention, violation de la quarantaine du centre médical. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Bon, je note rapidement le code, 1702. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a Roger l'alien, c'est sûr, certain. Il va falloir trouver le cadavre donc, du docteur Morley en kitant Roger. Ça va être la fête, on va s'amuser. Je sens l'auteur qui va dire bonjour à l'alien ou que je le sens et que je ne passe ça. Mais généralement, dans les aliens, les personnages autres que l'héroïne ont tendance à mourir très très rapidement. La merde absolue. Parce que là on a juste zéro endroit où s'échapper. Par contre je remercie énormément les développeurs de jeux de ne pas avoir mis de piles dans cet outil. Parce que sinon... j'entends arriver sur la gauche en fait. Pourquoi je le vois pas? Oh, il est juste là, il est juste là. Est-ce qu'il va partir à droite ou à gauche? À droite, c'est nickel. Par contre, vu la vitesse qu'il se déplace, j'espère sincèrement qu'il va pas s'amuser à rusher comme un mongol tout le long. Sinon qu'on se le dise, on est dans une merde infâme. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il faut que j'aille là. Merde.
On est mort, c'est la décédence. Pas du tout. Pas du tout. Génial, il peut arriver par là, c'est la merde absolue. C'est la merde absolue, donc normalement... Normalement, la carte est par là. Putain, mais y'a pas un casier, une merde là, ça... Oui. Alors en fait j'aimerais qu'il parte genre par là dans le couloir et qu'il continue à faire sa vie quoi et qu'on puisse se balader un peu pour trouver la carte. Mais ce n'est pas évident. Et la merde absolue un peu c'est qu'on ne peut pas regarder le détecteur de quel côté ça va. Déjà c'est pas tout droit parce que tout droit on le verrait. Et j'espère de tout cœur qu'on va vite trouver la carte, sinon on est dans la merde. Sinon, ça va être la décédence. Pas du tout. J'ai confondu une poussière avec la tête de l'alien. Ah d'accord, on peut essayer de regarder un peu à droite, à gauche. J'avoue que je suis bien. Je suis bien dans mon casier. J'ai pas tellement envie de bouger, mais on va devoir y aller. On soit d'accord. Allez, on est ballsy. On est ballsy. Si le point dépasse la deuxième... Oh non, c'est nickel, nickel, nickel. Il se casse. S'il m'a pas vu, c'est le plus gros tard des aliens du monde. Oh la mort en espagnol. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est pas qu'il s'éloigne. À moins qu'il soit genre trop intelligent et qu'il ait jeté des canettes par terre pour imiter ses pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Morlaix, Morlaix. Oh non, mais c'est pas possible. On va éviter de courir. On va éviter de courir, sinon c'est la décédence assurée. J'aimerais regarder s'il y a un point de sauvegarde soon. J'imagine que pas du tout. Actualiser la carte. Alors ça c'est nice. Parce que du coup, on peut regarder où est-ce qu'il faut passer. Pas du tout. Ça n'a servi absolument à rien. Donc il faut aller par là. J'imagine que l'entrée est peut-être là, le petit bout qu'on voit là, je ne sais pas du tout. Là c'est mon casier. Donc j'imagine. On va essayer d'y aller. Le bar va nous sauver la vie. Le bar va nous sauver la vie. Elle peut pas s'allonger, genre là, elle peut pas dire je me cache, au revoir. Non. Je sais pas du tout si le bip bip du détecteur va rendre Roger vénère. Mais est-ce... Non mais attends, il est pas dans 20 km2 là. Ah, qu'il y a une salle là, je sais pas du tout quelle taille fait, mais j'ai l'impression qu'il... Il peut assez bouger, aisément. Vas-y, fais ta vie, c'est parfait. À plus dans le bus, nous on y va. Hein. Pas de temps à perdre. Je
J'avais l'impression qu'il nous rushait dessus, mais pas du tout. Donc ça va pour le moment, mais si jamais il vient nous chercher ici, on est dans la merde. Absolue, à moins que je puisse. Nice. Ok, donc si jamais c'est la merde, je peux me cacher. En fait, si on était certain d'aller là-bas, enfin que ce soit là, genre la sortie, à mon avis, c'est sûr, ouais. Parce que je vois pas où est-ce qu'on peut passer autrement. Donc il va falloir... Il va falloir y aller. Même si c'est que j'ai peur, c'est que ça soit la destination absolue. Ce que je ferais bien, c'est attendre qu'il passe devant là, rusher dans le couloir par la gauche, seulement il a l'air d'aller assez vite quand il fait le parcours. Y'a rien de nouveau, y'a rien de nouveau. Attendez, la map. Voilà.